professeur, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Ce soir, nous commençons avec 4 minutes d'avance. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 20h26 heure de Paris, heure locale. Merci pour votre présence. Merci à chacun, chacune, à tous les enfants de Dieu, hommes et femmes, à tous ces défenseurs de l'Évangile. Et que Dieu soit béni. Quelle joie de vous avoir avec nous ce soir. Bonne année et que Dieu nous dirige, nous conduise, vous garde tout au long de cette année, ainsi que vos enfants, vos parents, vos pères, vos mères, et voilà. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette soirée, cette parole Seigneur qui va ce soir encore, Seigneur, nous purifier. Nous voulons, Seigneur, t'exposer nos cœurs, nos pensées, nos émotions, Seigneur, Papa. Nous voulons te bénir pour cette parole qui va ce soir nous laver, nous nettoyer. Et tous les enfants de Dieu, Seigneur, ce soir, nous le croyons, seront fortifiés, encouragés, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à la croix. Par ton sang, nous avons reçu, Seigneur, la victoire. Nous avons acquis la victoire. Merci pour cette nouvelle année. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous te bénissons, au nom de Yeshua, Dieu de gloire. Amen. Donc, bonsoir tout le monde. Et d'emblée, on va vous projeter cette photo que vous avez déjà vue, pour ceux qui sont connectés depuis le 31 décembre. Hein. Donc, voilà. Et on va, par la suite, essayer de partager, de changer un peu autour de cette rencontre entre notre sœur et cet homme qui a la tête, bien sûr, de l'église babylonienne. Et voilà, l'évangile doit être annoncé à toute créature, à toute la création. Donc, peu importe la personne, on doit lui proclamer l'évangile. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Donc, l'équipe technique va nous aider avec cette image. Si on peut déjà nous la diffuser, voilà, si on peut la diffuser, comme ça, on va pouvoir commenter. Donc, que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Donc, je crois que l'image est déjà dessus, d'après ce que l'on me dit. Donc, voilà, ce que vous êtes en train de voir, l'image que vous voyez, bien sûr, vous l'avez déjà vue, hein, certainement. Et donc là, on a le pape. Le pape, voilà, c'est pas Benoît XVI, mais c'est le pape François, et qui reçoit, qui a entre ses mains une Bible, la BJC, c'est-à-dire la Bible de Jésus-Christ, Bible qui a été révisée, bien sûr, il y a quelques mois, et par des frères et sœurs, par l'équipe que le Seigneur nous a donnée, hein, que nous avons révisée grâce au Seigneur. Et voilà, donc, et il y a eu une prophétie qui avait été donnée en 2014, en relation avec ce geste, avec cette image. Alors, je ne sais pas si on peut la diffuser, Arnaud, cette prophétie, c'est possible ou pas? La prophétie, donc on va vous la montrer certainement tout à l'heure, mais on garde l'image sur l'écran, et on voit, bien sûr, Ina, notre sœur, qui est là, en train de regarder ce monsieur, donc en train de regarder le pape. Et voilà, donc Ina est avec nous ce soir, et donc on va rapprocher le micro, hein, donc te rapprocher le micro, et si on peut parler près du micro, bonsoir Ina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu peux nous dire un peu comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et les frères et sœurs veulent bien sûr avoir tous les éléments, avoir, voilà, connaître un peu comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Vraiment, Dieu est Dieu. Mm-hmm. Parce que comment les choses se sont passées, si ce n'est pas Dieu, mm-hmm. c'est impossible au fait. Mm-hmm. Parce que je suis employée à Carrefour. Mm-hmm. Et Carrefour, il a parrainé une association. Mm-hmm. Voilà. Carrefour a parrainé une association, lui, Carl et Simon, qui s'occupe des enfants malades au fait. Alors, ils récoltent des dons pour les soins des enfants, pour les soins compliqués, c'est eux qui financent ça.
Et aussi, les enfants qui sont loin de l'Europe, ils peuvent aussi amener ces enfants-là à les soigner par rapport aux dons. Et il y a eu une grande animation à Carrefour il y a 2 ans. Et j'ai beaucoup participé à cette animation. On a récolté beaucoup de fonds à notre niveau à Carrefour. Et comme j'ai beaucoup participé, du coup, les gens, ils m'ont connu à travers ça. Et j'ai même parlé de pain quotidien et tout ça. Ils nous ont aidés aussi de ce côté-là par rapport au pain quotidien et tout. Et cette année, ils ont voulu amener les enfants malades. C'est des enfants qui sont lourdement malades, au fait. C'est vraiment des maladies compliquées qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de médicaments à la plupart des maladies. Ils ont décidé d'amener les enfants vers le pape. Et ils ont appelé Carrefour. Ils ont dit, bon, ben, il nous reste une place. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir avec nous pour nous accompagner avec ces enfants malades? Et comme on était plusieurs employés à assister à leurs animations de cette association à Carrefour, ils ont appelé Carrefour pour demander au directeur, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi tes employés qui peut venir avec nous pour accompagner les enfants malades à Rome? Et le directeur, il a demandé à ses collaborateurs, il a dit, ben, là, je cherche quelqu'un qui a bien travaillé pour l'association, quelqu'un de pieux et quelqu'un qui est croyant. Et c'est lui-même qui m'a expliqué ça après. Il a dit, comment j'ai été choisi, au fait? Il a dit, ben, en une seconde, c'est ton nom qui est sorti. On a dit Khadija. Il a dit, ben, on a bouclé. On a dit, ben, c'est bon, on prend son billet et puis elle part. Et c'est comme ça que moi, j'étais à mon poste. Le directeur, il est venu me trouver. Et en plus, j'avais eu des soucis. Comme je suis au service après-vente, il y a souvent des problèmes. J'ai eu des échanges avec des clients qui sont difficiles. Il est venu, il a dit, Khadija, il faut qu'on parle. Il faut qu'on prenne des décisions rapidement. J'ai dit, ah, peut-être c'est les 2 clients qui sont partis se plaindre, ou je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. On est rentré dans l'atelier, il fait, est-ce que tu es libre les 28 et les 29? Je dis, oui. Je dis, mais pourquoi? Tu vas aller à Rome. Tu vas rencontrer le pape. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Et moi, je me suis dans mon esprit, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire au Vatican? Et en une seconde, je n'avais pas donné ma réponse. C'est l'image de la distribution de la BJC il y a 1 an, quand les gens ils ont pris la BJC pour donner au maire, au ministre et tout ça. C'est cette image qui a filé tout d'un coup devant moi. Et puis la prophétie qui est venue aussi dans mon esprit. Et puis j'ai fermé, mais j'ai dit, Seigneur, La prophétie qui était sortie après il y a voilà. un an, Ah, comme quoi les évêques, les c'est ça, tout cardinaux le allaient monde doit recevoir recevoir. la Et puis BJC. plus la distribution, quand les gens ils venaient, moi je vais donner à mon maire, moi je vais donner au ministre, je vais donner au... Et puis c'est tout est venu tout d'un coup. Hein. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu veux que la BJC rentre au Vatican, c'est ça? Et puis j'ai regardé les directeurs. J'ai dit, c'est bon, je suis partant. Il m'a regardé. Sûr, hein? Parce que là, on va faire les billes, on va faire tout. J'ai dit, je suis partant. Et quand il est parti, mon responsable, il m'a fait, mais Khadija, je ne te comprends pas. Tu prends la décision comme ça, tu vas partir 2 jours. Tu n'as pas appelé ton mari ni tes enfants. J'ai dit, même si je t'explique l'ampleur spirituelle, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, mon mari, il va être très, très content quand je vais lui dire. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais toi, tu ne peux pas comprendre. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées. Ils ont pris mon billet, ils ont payé l'hôtel, ma nourriture, tout, 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 tout. J'ai rien fait du tout. On est parti avec les enfants malades. On s'est promené, on a fait des visites du Vatican, de la basilique, du, comment ça s'appelle, la musée du Vatican. Chose impressionnante, tu vois rien de spirituel. Ça Tout est fait. charnel, quoi. Tout est. Ça m'a irritée parce qu'il y a tellement de monde, tellement de monde qui croit à ça. Ça m'a fait très très mal Tu as vu à parce quel que point beaucoup de gens voient en enfer. beaucoup de monde croit à ça. Et ils parlent de. Tout ce qu'on voit, c'est Jésus sur la croix ou Jésus dans les bras de Marie en statue. Mais il y a même pas, comme j'ai partagé avec des sœurs, j'ai pas vu, parce que moi, comme je suis partie, j'avais pas grand-chose dans la Bible. J'avais prévu pour le pape et j'avais une autre au cas où Dieu me met quelqu'un à côté que je dois donner. Et j'ai dit, bon, là-bas, sur place, il va sûrement avoir des choses à acheter, des Bibles et tout ça pour donner aux enfants qui sont là-bas. Eh bien, je cherche même du Nouveau Testament. Il n'y a pas. Non. Il n'y a que des chapelets.
Il n'y a pas de Bible là-bas, là-dedans. J'ai pas vu de Bible dans la basilique. Je te dis, on a fait le tour Seigneur de Jésus. Tout ce qui est touriste spirituel. Non? Les statues. Le micro, pour le rapprocher. Il y a des statues. Il y a des statues, des petits statues qui vont. Il y a la photo du pape qui vend. Ils font des photos des statues qui sont là-bas. Ils font des tableaux qui vont. Il y a tous les livres que le pape a écrits, ou bien les livres écrits sur le pape. Et les chapelets, des petits bricoles, des souvenirs, tout ça. Mais dans les livres, il n'y a pas de Bible. Ça m'a beaucoup frappé. Et ils nous ont dit, on va aller au musée du Vatican. J'ai dit, ah, de toute façon, ils parlent de Jésus crucifié. Peut-être on va voir des choses qui parlent de la crucifixion, la vie de Jésus. Ben non. On voit que des grandes statues, les statues qu'on voit dans les films de gladiateurs. D'accord. Des grosses, des personnes qui sont habillées façon, et puis on voit la nudité des gens dans les statues. Alors c'est tout un long. La musée, elle est tellement grande, tu peux marcher au moins une heure aller-retour. De gauche à droite, il n'y a que des statues. Waouh. Le roi de Rome et tout ça. C'est ça. Alors, c'est ça, la musée du Vatican. Ça m'a beaucoup frappé aussi. J'ai dit, mais on ne parle même pas de Dieu. Il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. On est sortis et les enfants, ils étaient émerveillés de voir ça. Après, ils ont dit, on va visiter la chapelle Sixtine. Alors, quand ils ont dit la chapelle Sixtine, j'ai dit, bon, au moins la chapelle des catholiques, tu vas trouver quelque chose de... On est rentré dans la chapelle, tout est sombre, et il y a du monde qui est regroupé. Les gens, ils sont là. Tu sais pas, ils sont là, pourquoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a pas de lecture biblique. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prédication. Ils sont là. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens font ici? Et puis, il y en a qui sont assis par terre. Il y en a qui sont assis par terre comme ça. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Une chapelle sexiste, mais je connais pas l'histoire vraiment, j'ai pas cherché à comprendre, mais j'étais choquée comment il y a du monde qui adhère à ça, pourtant il y a rien de vie derrière. J'ai dit, mais il y a rien. Ils ont dit, non, comme il y a les tableaux, les dessins qui sont sur le sol, les dessins qui sont sur le plafond et les murs, les gens ils sont obligés de s'asseoir et regarder ça et décortiquer. J'ai dit, mais on dit une chapelle quoi. Chapelle, c'est censé prier, censé chercher quand même Dieu, mais non, c'était pas ça aussi. Ça aussi, j'ai été choquée par rapport au nom des chapelles. Pourtant, avant que vous arriviez, il faut bien marcher, c'est long, hein? C'est marqué partout, tu dois pas parler, le téléphone coupé, il faut faire attention, il faut marcher doucement. Franchement, pour moi, j'ai dit, quand on va arriver là, peut-être il y aura quand même quelque chose, mais rien du tout. On est sorti bredouille. Et le lendemain, maintenant, c'était la visite du pape. On s'est levé avec les enfants depuis 5h30. Pour les précoces, comme c'est des enfants qui sont vraiment malades, le temps de donner les médicaments et tout ça, on s'est préparé. Tout le monde s'est préparé. Tout le monde s'est préparé. Mais moi, personnellement, je pensais qu'on va être derrière une grille et puis il va passer devant nous, quoi. Et bien, on arrive. Nous, on est arrivé, l'accueil était, je ne sais pas où, mais il y avait une monde. C'était trop. Et nous, on est passé, c'est les gendarmes qui nous ont fait passer devant tout le monde. On nous cortège jusqu'à... Le pape, son estrade était là. Nous, on était devant comme ça. Nos chaises, on nous fait asseoir. Je dis, Seigneur. Et tu avais ta BGS avec toi. Ou dans mon sac. J'étais assise. La parole. Plus j'avance, plus je vois que le Seigneur est en train de conduire la chose. Je dis, ça, c'est quelle porte, ça? Je suis assise maintenant. Ma BGS était dans mon sac. Et il y a quelqu'un qui voulait que le pape signe son truc, son livre qu'elle a acheté. On l'a arraché. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger. On devait rester assis. Statique. Même quand tu veux te mettre debout, tu ne peux pas. Tu ne dois pas bouger. Il ne faut pas que tu fasses des gestes. Je dis, en tout cas, Seigneur, je suis là. Je dis, si c'est toi qui veux que ce livre soit donné, je dis, même tous ces vigiles-là, ils ne vont rien faire. Je vais donner. J'ai dit, mais là où je suis, je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai envoyé des textos à deux sœurs. Je les ai expliqués. J'ai dit, là, c'est chaud parce que même quand on bouge, je ne veux pas qu'on s'élève. Les sœurs ont dit, non, on est en train de prier. T'inquiète pas, ça va aller. Toi, reste assis seulement et tu feras ce que Dieu va te dire. J'ai dit, de toute façon, le Seigneur, Sikasso, quand on dit Sikasso, personne ne sait où est Sikasso au Mali là-bas. Il m'a quitté là-bas. Il m'a amené en France. Maintenant, il me quitte France, Rome. C'est lui qui m'a dit...
La Belgique doit rentrer au Vatican. Je dis, je ne peux pas arriver ici et retourner avec ça. Je dis, c'est sûr qu'il va faire quelque chose. J'étais assis, il est venu, il est passé avec une dame à gauche qui l'a pris la main. Ça m'a tellement fait mal. La dame, elle a pleuré. Elle a mouillé la main du pape avec ses larmes. Quand j'ai vu ça, c'est le passage de la pécheresse qui est venu dans mon cœur. Ça m'a attristé. J'ai dit, Seigneur, cette adoration, c'est pour toi. J'ai dit, cette femme a besoin d'être éclairée. Et puis, il a fini avec la dame. Il est arrivé vers moi. Moi, j'étais assis comme ça. Du coup, quand il était avec elle, j'ai sorti ma main. Juste, j'ai mis sur mon genou. J'ai fait comme ça. J'ai mis ma main gauche. Quand il est venu, j'étends. Parce que quand il vient, il te fait ça. Après, il te touche ou il te fait quelque chose pour prier. Okay. Alors, tous les gens qui l'ont passé, il a béni peut-être un objet. Les gens ont amené des photos, des chapelets, de l'eau. Il y en a qui ont même amené des maillots de foot. Wow. Pour qu'il béni retourne avec. Alors, moi, quand il est arrivé, j'ai tendu ma main d'abord. Il a tenu ma main et puis j'ai fait comme ça. Et puis, lui croyait que c'est pour bénir ma Bible. Il a pris la Bible, il a fait... Et puis il m'étend, j'ai dit non, 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 c'est pas pour moi, c'est pour vous. Non, 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 c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais je ne savais pas qu'il parlait français. Après, il m'a regardé. Pour moi? J'ai dit oui, c'est pour vous. Ah bon? J'ai dit oui. Ah ben merci, que Dieu vous bénisse. Après, il a ouvert, il a ouvert. Je vois qu'il est tombé sur les passages là où il y a le lion. Okay. Et le nom de Dieu, il a regardé ça. Après, il m'a regardé. Vous, je vais prier pour vous. Et j'ai dit, merci pour vos prières. Et il est passé à l'autre côté. Et quand il devait, la personne voulait qu'il tienne les deux mains, il était obligé de donner la Bible à la personne qui était à sa droite. Et il a continué à prier pour les enfants qui sont à côté de nous. C'est pas là qu'il a... Voilà, qu'il a regardé. Et il est passé à côté. J'ai dit, waouh, je ne croyais pas. Et il ne t'a pas touché là? Non. Ah ben, alléluia. Non, non. J'ai joué comme ça. La main. Il n'a pas fait ça. Oui, et Dieu t'a gardé. Il a compris que là, il a affaire à quelqu'un qui aime Jésus. C'est ça. Qui n'est pas dans la mariolatrice. C'est ça. Donc, Marianne, voilà. Je vais prier pour vous. J'ai dit, merci pour vos prières. Même après, quand on était dans le bus, tout le monde disait... Mais il ne parle pas le pape. Hein. Il vient seulement, il nous touche, il nous bénit, mais il ne nous a pas parlé. Il y a l'autre qui dit, mais si, il a même parlé avec Khadija. Hein, Khadija, vous avez dit quoi? J'ai expliqué. J'ai dit, oui, il parle. J'ai dit, il comprend même le français. Franchement, toute la gloire revient à Jésus. Amen. Je tiens à le dire encore. Parce que... mais, le micro, hein, pas... Merci. Mais quitter mon boulot et j'ai pris ils m'ont donné 3 jours, je suis payée. J'ai pas déboursé un rond. Waouh. J'ai pas payé ni hôtel, ni je vous dis rien. Donc c'est ton travail. C'est mon travail. Qui a pris en charge tout. Ton hébergement. Tout. Ton transport. Donc la nourriture tout, pendant tout, 3 tout, jours tout. Pour que la parole de Dieu rentre entre au Vatican, et que le chef de l'église la plus paganisée, hein, donc on est d'accord là-dessus, frère, il n'y a pas de problème, puisse avoir en sa main propre l'évangile. Amen. Hein, donc, et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Hein, je ne sais pas si on peut balancer la prophétie. Non, il 2 minutes. Donc, dans 2 minutes, donc, on va balancer la prophétie, justement, qui est sortie oui, en 2014. Je tenais vraiment à témoigner pour que les personnes... Quel effet ça t'a fait de remettre entre les mains de cet homme la parole de Dieu? L'effet que ça m'a fait déjà, c'est quand le directeur m'a annoncé la nouvelle et que je vois l'image de la distribution filée dans mes yeux et que la prophétie qui vient dans mon esprit et que je vois tout ce qui s'est passé. Et même à la veille, j'ai eu des attaques dans ma chambre d'hôtel et tout. Parce qu'à un moment, je dormais, j'ai prié, je dormais parce que c'était vraiment... La cité était en mouvement pour cette histoire. C'est pour ça que j'ai dit c'est Dieu. C'était spirituel parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est rien parce qu'eux, ils connaissent déjà la parole. Mais ce que moi, personnellement, j'ai vécu, je sais qu'il y avait un mouvement spirituel. Parce que quand j'étais dans ma chambre, je dormais et tout. Un moment, je me suis réveillée, comme si on m'a réveillée. Je me suis réveillée, mais je ne peux pas vous dire que j'ai entendu ou vu quelque chose, mais on sent qu'il y a eu un mouvement en l'air. Wow. Et le Saint-Esprit m'a fait, c'est bon, tu peux dormir, c'est fini. Après, je me suis mis à genoux, j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, hé, j'ai dit tout ça pour qu'une Bible rentre. C'est pas qu'une simple, c'est pas un livre. Non, mais c'était trop fort. Du coup, ça m'a encore motivée.
J'ai dit, on va aller jusqu'au bout. J'ai dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser pour ça, je suis là. Amen. Je n'ai pas été sur Internet chercher des billets. Mm-hmm. Je n'ai pas été chercher sur Internet pour savoir où je vais dormir. Mm-hmm. Je n'ai pas été sur Internet où je vais manger. Je n'ai pas fait ce qui est étonnant. Je n'ai pas fait la queue. Je vous dis que c'est une queue, c'est pire que Disneyland. Waouh! Tu fais, les gens sont venus depuis 5h du matin pour juste être derrière les, parce que là où nous on était assis, il y avait une foule derrière, hein. Et la foule était loin de nous. Et pour aller à la foule, il rentre dans sa voiturette. Mais juste pour nous, il est descendu pour passer. Wow. Il venait chercher le livre. Il venait chercher le livre. Déjà, on vous a escorté. Wow. Ah, oui. Si ça, c'est pas Dieu, je sais pas qui. Non, ça peut être quelqu'un d'autre. Si c'est pas Dieu, Dieu a ouvert cette porte. Il fallait que, j'ai dit qu'en ce moment, c'est un temps où vraiment il faut être sensible à l'esprit. Mm-hmm. Il ne faut pas être là, regarder ce qui est passé ou ce qui va se faire, regarder les choses dans la chair. Mais chaque fois que le Saint-Esprit, parce que je me suis dit, j'ai dit merci Seigneur pour ce discernement, parce que quand il m'a parlé, moi je voyais l'histoire catholique, Vatican, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, tout ce qui se passe là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je commençais à me battre dans mon cœur. Mm-hmm. C'est là que le Saint-Esprit m'a fait filer la distribution du BGC et la prophétie. Mm-hmm. J'ai dit, waouh! Tu veux que la paix se rende. J'étais comme ça, comme un enfant. J'ai dit, mais je suis partant. Alors, c'est. J'ai dit, le Seigneur, le fait qu'il m'a utilisé déjà pour faire ça, ça m'a fait tellement. Ça m'a fait quelque chose. Mm-hmm. J'ai béni son nom parce que, voilà, c'est encourageant et ça a encore grandi l'amour que j'ai pour Jésus. Alléluia. Et je vais l'aimer encore au fait. Amen. Et je ne me prends pas la tête comme d'habitude. Avec Jésus, je ne me prends pas la tête. J'ai dit, ça m'a encore encouragé que je ne me prends pas la tête. Il fait ce qu'il veut. Surtout toi qui es d'origine, qui étais musulmane avant. C'est ça. C'est ça. Et Dieu se sert d'une ancienne musulmane. Hein, donc d'origine malienne, qui a donné sa vie à Jésus. En fait, Jésus l'a visitée, donc elle s'est convertie. Et c'est elle que Dieu va utiliser pour aller jusqu'au Vatican, jusqu'au frais de son entreprise. Hein, donc Carrefour, hein, donc une grande surface. Rien payé. Donc il a rien payé. J'ai rien fait. Voilà. Alors toi, mon frère Joël, qu'est-ce que tu, c'est ta femme. Et comment tu vois, comment tu as perçu ça? Oui, quand il m'a dit ça, je n'étais pas étonné. Mm-hmm. Je n'étais pas étonné. La première chose que je lui ai dit, mais tu vas donner la Bible au Vatican. Ouais. Amen. Toi, tu as compris, donc il faut tout de suite. Alléluia. Tout de suite. Et il y avait un de ses collègues qui disait, mais il fallait consulter ton mari avant. J'ai dit, mais lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Amen. Oui, donc on attaque le grageur comme ça. Alléluia. Voilà, donc vraiment, c'était une joie. C'était une joie, les enfants, tout le monde était content. Mais au début, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été vraiment, moi-même, une grande surprise d'être assis devant et qu'il vient me serrer. Parce que je pensais que c'est dans la foule, au fait, je vais essayer de me battre. Le Seigneur avait tout préparé. Mais rien. Le Seigneur est imprévisible. Hein. Le micro. Gloire à Dieu, c'est vraiment magnifique ce que Dieu fait, mes frères et sœurs. Je disais tout à l'heure, le Seigneur avait tout préparé. Mm-hmm. Déjà, vous étiez le groupe, le seul groupe qui était escorté jusqu'à arriver. Mm. On vous a escorté carrément par les gendarmes. Vatican. Oui, la police suisse. Porte élevée volonté que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Jésus, alléluia. C'est un signe immense. En fait, c'était ça. Il faut le vivre. Parce que là, c'est ce que j'ai dit aux sœurs et aux frères. J'ai dit, ce que j'ai dans mon cœur, je ne peux pas l'exprimer au fait. Mais ça m'a encore grandi spirituellement parce que j'ai dit, mon Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Waouh. Et même la femme qui a mouillé la main du pape et tout, c'est à elle que j'ai donné l'autre BJC. Mm-hmm. Parce qu'après, j'ai discuté avec elle. Le Seigneur m'a montré comment elle souffre. On a discuté. Quand on s'est séparés à Orly, elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit, t'inquiète pas, je vais lire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc là, c'est vraiment, on escorte quelqu'un qui amène la parole. C'est ça. Hein, au Vatican. Et là, c'est des policiers, des gendarmes qui étaient là et qui t'amènent, qui te conduisent. Et la chaise était prête, on s'assoit, on attend. Dès qu'il descend devant son micro, nous, on était là. Wow. Oui. Tout a été organisé par le Seigneur. Alléluia. Regardez, mes amis, la vidéo. On va regarder la prophétie relative à la distribution de la BJC auprès des
autorité, parce qu'il ne faut pas oublier que le pape, il est à la fois le chef religieux, le chef spirituel de l'église romaine, qui est une église bien sûr paganisée, et aussi en même temps un homme politique. Donc c'est le président du royaume du Vatican. Hein, donc le Vatican, c'est aussi un pays. C'est un pays. Hein, c'est aussi un État. Et lui, il est aussi une autorité politique. Donc, et ça, c'est terrible. Donc, c'est à la fois Babylone religieuse et politique. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Et l'évangile doit être annoncé à tout le monde. Amen. Voilà. Donc, il y en a qui disent, il ne faut pas distribuer la Bible aux catholiques ou aux papes. Eh bien, ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Hein. Donc, on ne doit pas réserver la parole du Seigneur à une catégorie de personnes. Il faut la distribuer à tout le monde. Amen. On va écouter la prophétie que le Seigneur a donnée il y a un an. Et quelques jours, hein, donc sur la distribution des BJC. Il y a un frère qui a reçu une prophétie qui est de la part du Seigneur et il va nous la délivrer, nous la donner. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Tony. Je viens de Marseille. Juste avant de donner les paroles prophétiques, je vais juste vous expliquer deux choses. Hier soir, on a fait une émission sur les SDF avec l'équipe de TV de Vie. Ça a été un combat pour moi. D'ailleurs, quand on m'entend parler, c'est un combat. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. On est en guerre. On est en guerre. Beaucoup dorment, beaucoup dorment. Le Seigneur veut répandre des ministères, mais on dort. On a peur de rentrer dans le mouvement de l'esprit. Quand tu rentres dans le mouvement de l'esprit, tu vas rentrer dans la barque. Et dans la barque, ça tangue. Mais il ne faut pas oublier que celui qui est le capitaine de la barque, c'est Jésus de Nazareth. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on rentre dans cette œuvre-là. Avant de venir ici, on avait préparé tout ce qu'il fallait pour amener ce témoignage de SDF qu'on fait. Le Seigneur m'a mis à cœur avec mon épouse qui est ici, Gisèle. Il nous a dit, vous allez aller à Paris, vous allez aller sur le plateau de TV de Vie et vous allez témoigner ma gloire. Comment je œuvre auprès des SDF, des sans-abri. J'ai dit, Seigneur, si tu veux qu'on monte à TV de Vie, on va monter. Parfois, par la foi, on a pris déjà les billets, on a réservé les billets 2 mois avant. Donc j'ai dit, on va y aller à ma femme, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à faire un acte de foi, les ténèbres, l'enfer, elles se déchaînent. Tu veux servir Dieu ? L'enfer va te courir après. Mais celui qui est à ta droite, il s'appelle Yahushua, le Mashiach. Frères et sœurs, les paroles que le Seigneur m'a données, moi aussi, quand je les ai reçues, ça fait peur. Je le dis, cet homme, il est là. Si je vous demande, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Vous allez me dire, au moins la moitié de ce qu'il a reçu. Ouais, ouais. Beaucoup aimeraient l'avoir. Mais simplement, il y a des choses que le peuple n'arrive pas à comprendre. Lui, il a été mandaté, le frère là. Lui, il a reçu cette onction dans son berceau. Nous, on n'a pas reçu cette onction dans notre berceau. Mais on a reçu une autre onction. Donc, il y a des ministères qui sont en train de descendre. À vous de les prendre. Même qu'il y a la tempête, rentre dans la tempête. Ton maître, il est avec toi. Amen. Et je vais libérer ces paroles prophétiques. Je le dis devant toutes les nations qui écoutent bien ce que Jésus a à dire. Elles sont puissantes comme paroles. Quand je les ai reçues, j'ai été bouleversé. J'ai dit, c'est pas possible. Tu me dis à moi ça, il me dit, oui, je te mandate. Ici, là, quand on est rentré là, ici, là, il vient de me révéler des choses. Quand il a vu j'ai passé les épreuves avec ma femme, que la souffrance, tout ce qu'on a vu, ici, il me dit, mais tu ne le savais pas que je t'avais mandaté? Ah bon? Je me réveille. Je me réveille. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Je dis, ces paroles vont choquer. Elles vont choquer beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs. L'Esprit de Dieu me dit, va voir mon serviteur Chora Kwetu et dis-lui que la Bible de Jésus-Christ, je vais lui faire traverser tout le millénium. Je crois que vous n'avez pas compris. La Bible de Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit, il va lui faire traverser tout le millénium. La Bible de Jésus-Christ va traverser tout le millénium. C'est pas 10 ans, 15 ans, c'est le millénium. Il y a une onction qui est là. Frère, réveillez-vous. Une onction qui est là. L'Esprit de Dieu dit, dans les nations,
des millions d'hommes, de femmes, d'enfants vont lire la Bible de Jésus-Christ. J'ai vu dans l'esprit des enfants ouvrir la Bible. La Bible de Jésus-Christ, c'est comme s'il y a une lumière qui les éclaire. Ils lisent la parole, ils ont des révélations, ils ont des songes, ils ont des visions. La Bible de Jésus-Christ, là. Excusez-moi. Esprit de Dieu, continue. J'ai dit, Seigneur, tu es trop grand, tu es tout puissant, pourquoi tu me confies ça à moi? Je ne suis pas digne d'aller apporter ce message. Dans toutes les nations, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des hommes politiques, des présidents de républiques vont chercher à se procurer la Bible de Jésus-Christ. Voilà, voilà mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur avait dit, hein, donc des présidents, des cardinaux, des prêtres. Voilà. Donc, et il se trouve que le pape est aussi un prêtre, bien sûr catholique. Hein, donc, on se comprend. Et en même temps un cardinal. Donc, et il a eu justement la Bible de Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas parce que il parle et il accomplit. Hein? Donc, il accomplit sa parole. Donc, d'ailleurs, il y a une parole qui dit dans Ésaïe 44. Et le Seigneur est vraiment trop fort. Hein? Donc, Régis, hein, je te vois bouger la tête. Voilà, c'est très puissant. Et donc, le Seigneur travaille. Hein? Donc, d'accord, on va le lire tout à l'heure, pas de problème. Moi, donc voilà, là c'est pas un ministère de canapé, hein. Hein? Donc voilà, hein? Ce n'est pas un ministère canapéen ou d'ordinateur, tout ça. Donc là, ben, Ésaïe 44, 26, Dieu dit ceci. Et dans Ésaïe 44, 26, le Seigneur notre Père dit ceci. Et, celui qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers. C'est lui qui, Yahweh, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que disent, donc, ou le conseil de ses messagers. Qui dit à Jérusalem, tu seras encore habité et aux villes de Juda, vous serez rebâtis et je redresserai ces lieux déserts. Voilà, donc on voit bien que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Eh bien, une parole a été libérée de la part du Seigneur il y a un an, comme quoi les autorités allaient recevoir la parole. Et c'est le cas, il y a aussi des présidents, hein, on ne citerait pas leur nom ici, qui ont reçu un exemplaire de la BGC et qui ont remercié, béni le Seigneur. Et donc on a eu leur retour, hein, et béni soit le Seigneur, les ambassadeurs notamment, beaucoup. Et tout ça, et là cette fois-ci, ben, c'est le sommet de l'église babylonienne, l'église romaine. Et vous direz, mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, écoutez, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais tant pis, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas notre problème. Et voilà, il y a toujours des gens qui boudent, hein. De toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui boudent. Voilà, oui. Tout ça, ça fait le monde. Voilà, donc que Dieu soit béni, mais en tout cas l'œuvre du Seigneur avance. Alléluia. Voilà. Alléluia. L'évangile doit être annoncé au monde entier. Et il y a une deuxième parole qu'on va lire. Et voilà, parce que l'évangile doit être annoncé à toute la création, mes amis. Paul dit dans 2 Timothée 4, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, en toute occasion, favorable ou non, il faut annoncer l'évangile. C'est une parole que vous connaissez. Et voilà, 2 Timothée chapitre 4, verset 1er, Paul dit... Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Donc, peu importe le temps, peu importe les circonstances, on doit proclamer l'évangile. On doit distribuer l'évangile, on doit proclamer la vérité. Voilà, donc l'occasion a été donnée à la sœur. Eh bien, Dieu a permis qu'elle aille jusqu'au Vatican. Non pour adorer Dieu ou Marie, mais pour aller, n'est-ce pas, partager l'évangile, remettre en main propre la parole de Dieu. Et cet homme ne pourra pas dire, bien sûr, qu'il n'avait pas reçu la parole. Et vous direz, mais oui, mais ils ont déjà des Bibles. Oui, mais oui, on ne dit pas le contraire, mais quelle Bible?
Voilà, donc les Bibles que nous recommandons aux frères et sœurs, comme vous savez, c'est l'Osterwald, c'est la Martin, la Bible de l'épée, bien sûr, des Bibles traduites à partir des textes, bien sûr, qui sont des textes majoritaires et des textes reçus. Et voilà, donc, et ce sont des Bibles rares, malheureusement. Et ben, lui, au moins, il a reçu cet exemplaire-là de la BJC, qui est aussi révisé à partir des textes, bien sûr, majoritaires ou reçus. Voilà, donc dans la même lignée que la Martin, l'Osterwald, tout ça. Que Dieu soit béni pour son œuvre, en tout cas, et pour le courage qu'il t'a donné. Donc, il y a des passages que vous avez reçus également. Oui, j'ai reçu dans Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Verset 14, justement. Voilà, gloire à Dieu. J'ai lu notre Jésus. La Bible nous dira, cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Alléluia. En fait, moi, par rapport à ces, pour moi, c'est impressionnant, ça me dépasse en fait. Voir ce qui s'est passé, la Bible remise aux mains du pape. En fait, ça me fait penser en même temps au temps de la fin. Ça veut dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Les signes sont là. Donc, la Bible, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est impressionnant. En fait, on vit la parole en live. Dieu veut que cet évangile aille partout. Partout. Et surtout là, c'est quand même assez particulier. La sœur avec les gens qui étaient avec elle étaient escortés. Oui, hein, c'était le seul groupe qui était escorté. Escorté par les gendarmes. Par les gendarmes, donc par la police, bien sûr, Vatican, jusqu'à l'endroit où ils étaient, bien sûr, établis. Oui. Et là, ben, le monsieur, donc cet homme, vient devant eux. Hein, et déjà la place là où vous étiez assise, la place juste devant. Parce qu'ils avaient peur que pardon, tu blesses. Pardon. C'était pas facile de lui donner quelque chose parce qu'ils ont peur que tu lui fais quelque chose. Pour l'agresse, tout ça, ouais. Du coup, c'était tout ça, ça travaille dans ma tête. J'ai dit, la Bible, elle n'est pas petite. Il y a un stylo, déjà, on s'est jeté sur la personne. Ouais. Alors, une Bible, ils vont croire qu'il y a quelque chose dedans à l'intérieur. C'est ça. J'ai dit, mais rien du tout. Personne n'a bougé, je vous assure. J'ai donné tranquillement. Alors que des fois, quand tu bouges, ils nous ont dit de ne pas. On était assis comme ça. Dès que tu fais quelque chose, les gens, tu deviens suspect. Mais j'ai tendu. Personne n'a dit pousse-toi ou personne n'a même fait des gestes pour nous arrêter. Rien. Personne n'a bougé. Amen. Moi, je veux dire un truc. J'avais vu en live quand vous aviez présenté cette photo avec ton portable. Parce que j'avais été à la veillée, mais il y avait trop de monde. J'arrivais à 22h30 en retard avec femme et enfant et je suis rentré chez moi. Et j'ai eu le courage de regarder, mais si ça ne passait pas, j'ai regardé le message à partir de 2h du matin. Et je vois le frère qui monte son portage. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quand on m'a envoyé la photo, je dis, non, c'est pas... je dis, non, vous savez, à un moment donné, on se dit, on sent que Dieu agit, mais on se limite, hein, on limite le Seigneur parfois. Et puis, quand on m'a dit, non... c'est vraiment la sœur Intel qui était là-bas, je dis d'accord, là c'est bon, là je crois. Donc j'étais un peu comme Thomas quand même, donc que Dieu me pardonne. Hein. Donc, et donc je veux juste dire un tout petit mot, Khadija, hein. C'est que en fait, je pense que Dieu t'a utilisé, ça me fait penser en fait à Daniel, ça me fait penser à Joseph, ça me fait penser à Moïse. Tu es rentré auprès d'une personne qui est crainte même par les présidents de ce monde. C'est ça. Et tu es rentré, comme elle dit, en VIP, comme si tu étais une personne. VIP, ça veut dire very important person ou people. D'accord. Donc ça veut dire que le Seigneur t'a mis dans une catégorie où tu étais intouchable, où il fallait que tu accomplisses et tu t'es pas corrompu. Et moi, ça qui me touche, parce que en fait, Daniel ne s'est pas corrompu. Amen, amen. Devant, je crois, Nebuchadnezzar, si j'ai pas de bêtises. Pareil pour Moïse devant Pharaon, pareil pour Joseph qui est resté fidèle. Et qui a gardé la parole et qui a donné la parole. Et je trouve ça vraiment beau. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Amen. Parce que tu aurais pu trembler, tu aurais pu douter, tu aurais pu ne pas donner. Et voilà, tu as combattu le bon combat, comme on partageait avec mon frère la dernière fois. Et je suis vraiment content. Ça me fait penser vraiment à Daniel, à Moïse, à Joseph. Parce que tu as été voir les grands de ce monde. Dieu t'a envoyé voir les grands de ce monde, mais tu ne t'es pas corrompu.
Amen. Et tu as donné la parole, vraiment, que Dieu soit béni. Il a bien conduit. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, vraiment. Moi, tu ce qui m'a attristé, mon frère Joël, ouais. Ce qui m'a attristé, c'est je vois l'idolâtrie. C'est ça, l'idolâtrie, ouais, effectivement. Par rapport à tout ce qu'il m'avait dit, ça m'a beaucoup, beaucoup attristé par rapport à l'idolâtrie. Même quand il est rentré, le président de Carrefour, même il lui posait question. Mais tu te sentais comment Elle est en train de lui donner le témoignage. D'accord. Tout, tout. Mais le président, il s'en fout. Il voulait savoir comment elle-même, tu l'as vu, tu étais comment. Oui, il m'a demandé mais comment c'était à Rome. Je l'ai expliqué. J'ai dit ça, comme eux, c'est les enfants qui les intéressent. J'ai dit ça, les enfants, ils étaient contents. Le pape les a touchés et tout ça, il les a bénis. Oui, mais toi, Khadija, comment tu as. Je lui ai dit, mais ça a été, je lui ai donné la Bible. Mais ah bon? Émotionnellement, comment ça a été? Je dis, mais il t'a serré la main quand même. Je dis, ben, vous, je vous serre la main ici tous les jours. Hein. Il n'a pas compris jusqu'à là, il ne me comprend pas au fait. Je dis, non, ça a été, c'est quelqu'un d'important. C'est comme si tu me dis, va voir François Hollande. Je dis, mais ça s'arrête là, mais après, c'est un homme. Hein. On n'adore qu'un seul Dieu. C'est ça. Je dis, c'est un homme. Et moi, c'est Jésus et je lui ai donné une Bible. On a quelqu'un en ligne, Simon, c'est ça? Alors, on va prendre cette personne en ligne. Voilà, les gens réagissent hein, parce que c'est quand même très touchant. Donc, on va lire ton verset tout à l'heure, ma sœur, pas de problème. Et que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Allô. 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 Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct de TV de Vie. Effectivement. Voilà, en fait, je voulais intervenir par rapport à l'émission. Par rapport au fait que la sœur a remis la Bible au pape à main propre. Parce que moi, quand j'ai vu la photo sur le site TV de Vie... Au départ, je me suis dit, bon, c'est une sœur voilà, qui a voulu que le pape ait accès à la BJC. Bon, c'est tout à fait normal. Mais quand j'écoute le témoignage, je vois que le Seigneur a tout planifié. Il a tout planifié parce qu'une sœur qui travaille à Carrefour, service après-vente, c'est-à-dire elle n'est même pas devant. Le service après-vente, c'est quand les clients ont un problème et que, voilà, on les conduit vers ce service-là. C'est pas une caissière, elle n'est pas l'accueil, rien de tout ça. Et le Seigneur la sort de là et il a mandat pour aller remettre la Bible au pape. Vraiment, ça me touche, personnellement. Et je pense que le Seigneur a tout planifié. Effectivement. Il a tout planifié. Et selon la prophétie du frère Tony, que comme quoi la BJC va même aller jusqu'à la porte des cardinaux, le Seigneur allait même au-delà du cardinal, allait jusqu'à... devant le pape. Mm-hmm. Mais c'est la fin. Mm-hmm. C'est la fin. Parce que sur cette terre, après le pape, il y a qui? C'est l'homme le plus influent de la terre. Voilà. Donc le Seigneur nous a montré que cette Bible-là, le pape a eu accès à ça. Vraiment, c'est la fin. Bon, mais il faut que les enfants de Dieu soient réveillés par rapport à ça. C'est pas anodin ce qui s'est passé. Que Dieu soit béni. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et puis, et pour tous ceux qui ont critiqué cette Bible, aujourd'hui, le Seigneur, je pense que Dieu aussi a fermé leur bouche. Parce qu'on a entendu aussi des choses. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vraiment, que le Seigneur soit béni. Et puis, voilà. Dieu est bon. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas pour ton intervention. Vous voyez, quand on écoute, comme la sœur disait, quand elle a vu la photo, elle s'est dit, bon, quoi de plus normal, hein? Donc c'est normal. Mais quand elle a écouté l'intervention de notre sœur, hein, donc Ina, tout ça, et comment le Seigneur a conduit les choses, elle qui travaille au service après-vente, c'est-à-dire, voilà, elle n'est pas forcément exposée, hein? Et c'est elle que son patron va choisir, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, bien sûr, il passe par son patron et pour l'amener au Vatican. Et elle arrive au Vatican avec son groupe d'enfants, n'est-ce pas? Et ils vont être, ce groupe donc va être escorté par la police suisse, hein, donc voilà, donc la police du Vatican, c'est des Suisses effectivement. Donc et là, escortés comme des princes, non, parce que nous sommes nous chrétiens, nous sommes des rois. Hein, le Seigneur a fait de nous des rois et des prêtres. Hein, donc voilà, le Seigneur amène sa servante au sein même de la Babylone, pour ne pas qu'ils disent un jour, ces gens, bien sûr, qu'on n'avait pas entendu. Hein? Donc, elle amène là-bas, et placée devant, et ce monsieur arrive sans barrière, et il s'attendait à bénir la sœur comme les autres, mais non, la sœur sort la Bible,
et la, lui donne, et il la bénit, et, pour, et il la remet, et non, la sœur dit non, 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 c'est pour vous, et le monsieur parle français, et effectivement, donc il prend la BJC, on voit encore la photo, et là, je me dis, mais Seigneur, et d'ailleurs, comme elle a dit la sœur, elle n'a pas payé, donc tout a été aux frais de son employeur, hein. Donc vous voyez tout ça pour que l'évangile entre là-dedans. Et elle a dit elle-même qu'elle a visité le musée, elle a visité les magasins là-bas, les boutiques. Il n'y a même pas des Bibles. Il n'y a pas de Bible. Et toute cette foule de gens qui arrivent du monde entier et qui n'a pas de Bible sur place, pour, à qui on ne donne pas des Bibles. Je veux dire, mes amis, notre foi est basée sur l'évangile. L'évangile est décrit dans ce livre, hein, donc présenté dans ce livre. Et là, cela envoie le geste prophétique que le Seigneur va poser ici. Hein, pour nous montrer que eh ben, c'est lui qui est, d'ailleurs la prophétie qui avait été donnée un an auparavant. Et on voit comment le Seigneur orchestre toute chose, hein, tel un chef, hein, donc le chef des chefs, hein, comment il procède, comment il utilise les gens, les employeurs, les patrons, les tout ça là, et il dispose les choses, et ça c'est vraiment magnifique. Et la sœur, comme Régine l'a si bien dit, ne s'est pas corrompue. Elle ne s'est pas mise à genoux, parce qu'on s'agenouille seulement devant Jésus-Christ. Elle n'a pas été adorée une image. Elle n'était pas dans les émotions, parce que, comme elle l'a si bien dit, ce n'est qu'un homme comme un autre, mais malheureusement utilisé par l'autre. On comprend. Donc, bien sûr, l'ennemi de nos âmes. Et là, ben, l'évangile a été donné. Et voilà, maintenant, ceux qui se disent, bah, il ne va pas se convertir, ce n'est pas notre problème. Le Seigneur a dit, vous annoncez la parole, donnez ma parole, c'est Dieu qui fait le reste. Nous ne sommes pas des juges. Voilà. Tout homme doit entendre parler de l'évangile. Tout homme, quel qu'il soit, doit recevoir la parole de Dieu. Voilà. Et nous précisons bien, ce n'est pas seulement la BJC, c'est la Bible qu'on a révisée. Ça pouvait être une Bible Osterwald, ça pouvait être une Martin, Bible Martin, ça pouvait être une Bible de l'épée de 1540, hein, donc, et, ou encore les maîtres de Sacy, des Bibles traduites à partir de textes majoritaires. Donc voilà, pour que ceux qui se disent, voilà, ils parlent seulement de leur version, comprennent qu'on n'est pas là pour parler que d'une seule version. Il y a toutes ces versions que j'ai citées qui sont traduites à partir des textes, bien sûr, majoritaires, ou encore des textes reçus, qui sont des textes byzantins non corrompus. Voilà, donc que le Seigneur vraiment soit béni. Moi, personnellement, je suis beaucoup encouragé. Hein, c'est quand même, on voit le travail que le Seigneur fait, la manière dont il dispose les choses. Les cœurs sont touchés et vraiment, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui. Donc, j'ai regardé, j'ai vu donc que je voulais intervenir par rapport à la Bible. La dernière fois, vous voyez, j'ai entendu, enfin j'ai vu la photo, apparemment le pape en fait a reçu la Bible. Et du coup, en fait, le Seigneur m'a rappelé, rappelle-toi du sens que tu as fait. Effectivement, il y a un an, le Seigneur m'a montré en vision, donc je ne sais pas comment expliquer, en fait, m'a ramené un esprit. Et je suis arrivée à Rome, et dans le bureau du pape, et j'ai vu en fait, le pape a reçu la Bible. Et à un moment donné, j'ai vu, le pape en fait a fait appel à Sora. Et donc j'ai vu François, elle est partie là-bas, elle est partie à Rome. Et elle est rentrée dans le bureau, et le pape était assis, et Sora était assis en face. À côté, il y avait l'évêque, il y avait deux évêques, je crois, en soutane rouge comme ça. Et donc le pape avait sa Bible, et il parlait italien. Et François ne parlait pas. C'est-à-dire très bien. Et du coup, en fait, il y avait le dialogue. Et le Seigneur, je voyais le Seigneur qui regardait. Et moi, en même temps, j'étais en fait, je ne sais pas comment expliquer, c'était bizarre. Donc, en fait, j'étais suspendue. En fait, le Seigneur, comme s'il m'a sorti dans mon corps, j'étais suspendue et je voyais en fait. Mais eux, ils ne me voyaient pas, mais moi, je voyais. Donc, j'entendais en fait la conversation. Et le pape, il a ouvert la Bible. Le pape lui posait des questions à Sora. Il disait pourquoi ça, ça, ça. Et je vois que Sora maintenant est en train de d'expliquer. Le Seigneur me dit, regarde, écoute, le Seigneur, oui, j'entends. Et donc là, et Frère Sora est en train d'expliquer justement la divinité de Jésus, parce que le pape est en train de l'expliquer comme quoi il n'était pas d'accord, non, et Frère Sora expliquait non, donc la divinité. Et à un moment donné, je vois le Seigneur qui inspirait en fait Sora. Et Sora, il parlait, et à un moment donné, je vois que le pape a commencé à être convaincu en fait. Le pape a dit, à un moment donné, je vois le pape qui disait, je vais voir, je vais relire encore la Bible, je vais voir. Et en plus, j'ai vu, en fait, après la vision était vraiment dingue, je suis réveillée. Et donc, je me suis dit, Seigneur, au début, je me disais, mais
je croyais pas trop, je me dis, bon, c'est un songe. Et je n'ai pas osé parler à Florent. Je me dis, bon, moi, je vais voir d'abord. Tant que ce n'est pas réalisé, je suis comme Thomas. Et quand j'ai entendu la veillée et la sœur, elle est partie, donner la Bible. Et donc, ça a confirmé, en fait, parce que j'ai vu une personne donner. Mais elle ne m'a pas montré la personne physiquement. Donc, et la suite, c'est que la pape a fait appel à Florent. Et j'ai vu comment sœur est partie à Rome. Donc, moi, je pense que à un moment donné, encore, je crois, vraiment, dans mon cœur, je crois, et je pense que peut-être que le pape, peut-être que Sora va partir à Rome. Ah, ben, on va annoncer l'évangile comme Paul est parti à Rome. J'ai mis les flyers dans la Bible, il y a les flyers, j'ai mis au moins 3 ou 4 dans la Bible avant de lui donner. Les flyers de TV de vie. Les flyers de TV de vie. Ah, il va suivre, hein, donc. Que Dieu soit béni, on prie que le Seigneur, que l'évangile pénètre. Je vais vous poser une question par rapport au... La sœur a fini, hein? Ok, c'est bon. Oui. Benoît XVI. Benoît XVI, oui. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'est retiré? Ben, je crois qu'il a dû voir des choses qui l'ont choqué, peut-être. Et, À la dernière minute, il a dit quoi? Il a dit qu'il s'est retiré pour prier. Voilà. Bon, je crois que certainement, il a dû voir des choses qui l'ont... Voilà. Maintenant... Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le Seigneur est en train de revenir. C'est Amen. Voilà. Donc, la sœur avait reçu un verset biblique, c'est ça? Je n'arrive pas à retrouver le verset exactement, mais c'est dans Luc. D'accord. Où les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, quels sont ceux qui sont plus importants, en fait? Mm-hmm. Le Seigneur a pris un enfant et a dit... Matthieu 18, ouais. Voilà. Qui était le plus grand. Voilà, qui était le plus grand. Et le Seigneur a dit... C'est ceux qui sont les moins importants qui sont les plus importants dans le royaume. Donc, ça revient à vraiment ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur choisit qui il veut, en fait. C'est pas, elle n'est pas prophétesse, voilà, elle n'est pas apôtresse, simplement chrétienne. Oh oui, c'est normal, le frère, il a l'habitude de prêcher, c'est lui qui est à la Rome. Non, mais il allait prendre la sœur, c'est Khadija, c'est ça? Il allait prendre la sœur pour l'amener au Vatican, quoi. On a vu comment elle a raconté, comment ça s'est passé. C'était déjà préparé. Il n'y a que Dieu pour faire des choses. Et surtout qu'elle n'a pas cherché cela. Non. C'est venu à elle. C'est venu la surprendre, quoi. Et Dieu, il est extraordinaire, quoi. Il a une façon de faire qui n'est pas, comme sa parole le dit, ma pensée n'est pas vos pensées. Amen. Et revenons vraiment sur la Bible. J'ai échangé avec ma belle-sœur hier. Donc tu viens de Lyon, exprès pour l'émission. Oui, je suis venue pour la veiller. Et puis bon, comme je rentre demain, je me suis dit, je vais à la Ivry pour une première fois. Et j'échangeais donc avec ma belle-sœur. Elle me disait, mais tu es allée la veiller, c'est ça? Je dis oui. Elle dit, c'est le frère Chora, c'est ça? Je dis oui. Elle dit, ok. Elle dit, en fait, ce qui me gêne un peu, c'est la Bible qui a été réécrite là. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, je ne vais plus discuter avec elle, parce que là, je vais déjà échanger avec elle, je ne vais plus débattre sur la parole. Je dis, mais qu'est-ce qui te gêne, en fait, sur la Bible? Elle me dit, non, mais c'est parce que vraiment l'énergie qu'il a mis pour faire cette Bible-là. Je lui demande, mais c'est ton énergie qu'il a pris pour faire la Bible? Est-ce qu'il a pris ton énergie pour faire la Bible? Est-ce qu'il s'est plaint? C'est ça. Est-ce qu'il a modifié quelque chose? Si tu prends cette Bible et tu prends une autre Bible, c'est la même chose qui est écrite, mais je pense que tu comprendras mieux certaines choses. Voilà, elle me dit que non, parce que cet argent-là, j'ai dit, mais ce sont des frères et des sœurs comme toi et moi qui ont donné de l'argent. Donc, ils ne se sont pas plaints. Et elle me dit, non, mais ça aurait pu servir pour des orphelins. J'ai dit, mais il y a des supérettes qui sont ouvertes pour des orphelins, pour des gens qui sont en difficulté. Ça, c'est déjà ouvert. Donc, vraiment, par rapport à ça, je suis vraiment encouragée, déjà avec le partage que le frère a fait à Lyon, par rapport... le partage qu'il a fait par rapport déjà aux faux frères, voilà, ceux qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Parce que on se casse la tête à vouloir faire comprendre quelque chose. Par exemple, avec la même belle-sœur, elle me disait que non, que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus a des choses en lui qui sont de Dieu. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, je te prends un exemple. Tu t'appelles par exemple Thieu, ton nom de jeune fille. Je dis oui. Elle dit, il y a quelque chose de Thieu en toi. Ce qu'elle voulait me faire comprendre, c'est qu'il y a des gènes de papa et de maman en moi. Et moi, j'ai eu mal en étant une erreur. Je dis, mais comment tu peux comparer Dieu à un être humain? C'est ça le problème. Dieu a été conçu comme moi. Il n'a pas été conçu comme toi et moi. Donc, comment tu peux me dire que je ne peux pas être maman et papa en même temps? Je lui demande, tu es conscient que le Seigneur est omniprésent? Elle me dit oui. Donc ça veut dire qu'il peut être à la maison, il peut être avec nous, il peut être ailleurs. Elle me dit oui. Je dis, mais comment tu n'arrives pas à croire qu'il peut être dans les cieux et sur la terre en même temps? Et vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur se révèle.
Tant que le Seigneur ne s'est pas révélé à une personne, elle ne peut pas le comprendre. Tout simplement. Voilà, c'est ce que je lui ai fait comprendre. Il fallait qu'elle lise sa Bible et qu'elle demande directement au Seigneur et qu'elle ne se borne pas à écouter juste des choses comme ça. Au lieu d'aller chercher les ministres de canapé. Et j'ai compris qu'elle, beaucoup, on endoctrine beaucoup parce qu'ils ne lisent pas la parole. C'est ça. Parce que la parole, c'est la base. Si on lit la parole et que quelqu'un vient te dire quelque chose qui ne tient pas, ça va sonner faux. Tout de suite, ça va t'interpeller. Tu vas dire, mais c'est pas ce que j'ai lu. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, beaucoup se bornent à écouter certains enseignements. Bon, il y a de tout sur Internet maintenant. Beaucoup se bornent à écouter, ils ne lisent pas leur Bible. Malheureusement. Autant tout est écrit. Et c'est les ministres des canapés, comme je le dis, hein, donc plus en plus. Ils sont assis, voilà. Et puis ça parle 6 heures, 4 heures. Et au lieu de parler aussi dans la langue du pays où ils habitent, hein, non, ils parlent autrement. On connaît ces gens-là. Ils disent, un jour, Dieu m'a dit que tu es un homme de Dieu. Le lendemain, le même Dieu leur a dit qu'on est sataniste. Bon, on voit bien qu'ils sont confus. Mais c'est pour cela que... Voilà. À vraiment lire et à poser la question directement à Dieu. Parce qu'on a vu, hein, Dieu a parlé aux musulmans, à n'importe qui. Dieu se révèle, quoi. Effectivement. Il y a une sœur, voilà, une sœur asiatique qui était là. Et le Seigneur lui a parlé dans sa chambre. Amen. Voilà. Donc, voilà, quoi. Et je voulais dire aussi, comme c'est sorti tout à l'heure, le fait de s'incliner. Quand on est arrivé devant, on nous a escortés et tout, on nous a fait un brief. Que les enfants, quand le pape va arriver, hein, si on est debout, il faut s'incliner. Si tu es assis, il faut lui baiser la main. C'est que ma voisine, elle a fait. J'ai dit, quand il a dit ça, je l'ai regardé dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas amené pour m'incliner devant un homme comme lui. J'ai dit, je ne m'inclinerai jamais devant Alléluia. Lui. Après, ils ont dit, vous restez assis. Et puis, il est revenu. Il a dit, là, on nous a dit de ne pas bouger. Quand il vient, vous baissez sa main. J'ai dit, mais je vais baiser la main de qui? Je ne mesurerai pas la main du pape quand même. C'est pourquoi quand il est venu seulement, j'ai préparé ma Bible, j'ai mis sur le genou gauche et j'ai fait comme ça. Il a dû être choqué, là, cette dame-là. Parce qui que me les résiste. Autres, lui, il fait comme ça, il fait exprès au fait, hein, parce qu'il sait que c'est l'habitude, hein, il faut lui faire des choses. Et moi, c'était comme ça. Et du coup, je pense qu'il n'a pas eu le temps de me faire des signes. La manière dont les choses sont passées, lui, il a pris la Bible, il a fait la signe, et puis il me rend. J'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Et je lui ai rendu la Bible. Du coup, il n'a pas eu le temps de faire des baisers ou des choses comme Gloire ça. À Dieu. J'ai dit, quand le frère a dit que les gens s'inclinent vraiment. Même ça se voit, quand vous voyez la photo, il fixe ses yeux sur la soeur Ina. C'est trop clair. C'est trop clair. Gloire à Dieu. C'est ça. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Ah. Allô. Allô, ça passe pas. Allô? Voilà, c'est vraiment, mes amis, c'est beau ce que Dieu fait. Donc, on a voulu vraiment ce soir aussi rendre gloire au Seigneur. Amen. Oula, un problème technique. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Dire merci au Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il accomplit, parce que quand il commence une œuvre, bien sûr, il l'achève. Et il y a un passage tout à l'heure que notre sœur a lu dans Matthieu 24, 14, où le Seigneur dit... Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Or, il se trouve que le Vatican est une nation. Jésus a dit toutes les nations. Le Vatican, à part le fait que qu'elle est aussi l'église romaine, hein, donc le centre de l'église romaine, le Vatican est aussi une nation dont le président est le pape. D'accord? Donc François notamment. Et donc le Seigneur, notre maître, a dit que l'évangile du royaume doit être prêché à toutes, n'est-ce pas, dans toutes les nations, à toutes les nations. D'abord dans toute la terre habitée. Or là-bas aussi il y a des gens qui y habitent, hein, au Vatican. Donc voilà, donc pour vous dire que ceux qui se disent oh, mais il fallait pas y aller là-bas, ben, écoutez, le Seigneur a dit d'aller dans toutes les nations et vous ne voulez pas qu'on y aille. Vous voulez qu'on soit contre l'ordre du Seigneur? Parce que vous êtes tellement religieux, hein, que vous tirez sur tout ce qui bouge, étant sur votre canapé, n'est-ce pas? Vous ne sortez jamais, vous n'allez jamais voir les gens, les malades, dans les hôpitaux, tout ça. Vous êtes collés à vos canapés, à vos ordinateurs, pour tirer sur les gens. Et il est temps maintenant que l'on sorte. Sortez, allez voir ailleurs, allez voir les gens, allez annoncer l'évangile partout. Et c'est à cela que nous sommes appelés.
N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, amen. Ça, c'est l'ordre qu'on a reçu donné. Du Seigneur. Amen. Donc, d'abord, la terre habitée. Donc, au Vatican, il y a des gens qui habitent. Qui habitent, oui. Et même si ils sont dans l'idolâtrie par rapport au statut, par rapport à Marie, on doit leur apporter l'évangile. Ils soient délivrés. Et même si on n'a pas l'occasion de parler, si on a des Bibles, on doit aller leur en distribuer. Deuxièmement, le Seigneur dit, il faut prêcher l'évangile. Dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et le Vatican, comme je l'ai dit, je me répète encore, est une nation. Voilà. Donc voilà pourquoi la sœur n'a fait que répondre à l'appel du Seigneur. Amen, et Dieu amen, a disposé amen. Les choses. Amen, n'est-ce pas amen. Et ça, c'est là qu'on voit que c'est vraiment glorieux. C'est la main de Dieu. Sans forcer. Sans forcer. Sans forcer. Ouais, ouais, et avec du voilà. C'est avec douceur. Et puis le Seigneur a fait exprès. Il fallait que ce soit une femme, une ancienne musulmane. Comme les femmes qui sont allées annoncer la résurrection du Seigneur. Exactement. Marie de Magdala, tout ça. Ouais. Pendant que les apôtres étaient enfermés. Hein. Exactement. Voilà. Et les femmes que l'on veut, effectivement, museler par les ministères de canapé. Hein? Donc, les machos qui voient les choses à l'envers, qui font les choses à l'envers et qui s'excitent comme des puces, hein? Et qui ne bâtissent jamais, qui ne font que démolir, ils ne construisent jamais. On ne le voit pas nourrir les orphelins, on ne le voit pas nourrir les veuves, on ne le voit pas, mes amis, baptiser les gens, on ne le voit pas former les gens, c'est que des tireurs francs. Hein, ils sont là comme des snipers, tout ça là. Donc, pour des vrais pharisiens. Nous dénonçons. En même temps, Dieu nous fait grâce de construire. Amen. D'accord. Amen. Quand il faut nourrir les veuves, Dieu nous donne les moyens de le faire. Les orphelins, par la grâce de Dieu, des orphelinats sont construits. Amen. La mission, il y a des missionnaires qui partent. Amen. N'est-ce pas? Donc, Dieu disait à Jérémie, je t'ai établi pour arracher, détruire, ruiner et abattre, mais aussi pour bâtir et construire, planter. C'est pas seulement tirer et ne rien bâtir. Allez voir ces gens-là sur place, ce qu'ils font chez eux. Allez dans leurs assemblées, leurs groupes de maisons. Voyez ce qui se passe là-bas. C'est beaucoup plus facile, derrière son écran, de parler. C'est beaucoup plus facile. Hein, il faut aller sur le terrain. C'est beaucoup plus facile quand on est spectateur dans un stade de dire « tel joueur a mal joué ». Mais va sur le terrain, va courir pendant 90 minutes, on saura si tu as des poumons. Hein? Et tu verras ce que c'est les blessures quand on est un footballeur, quand on est un athlète. C'est beaucoup plus facile de donner des ordres quand on est sur les gradins. Hein? Donc, n'est-ce pas? Il faut aller sur le terrain. Chrétien, vous qui aimez la vérité, dites à ces gens d'aller sur le terrain. Voilà. Par contre, le macho, ça devient plus en plus nombreux parce qu'ils voient la facilité de l'évangile. C'est ça. Et qu'il faut tellement de pognon. Et même... quand on ferme leur église, ils ne cherchent pas à savoir ou chercher la voix de Dieu. Pourquoi mon assemblée était fermée? Ben non. Ils sont pressés d'aller louer quelque part parce que... C'est ça. Voilà. Donc, ils appellent les gens pour avoir de l'argent. C'est terrible. C'est terrible. Tu laisses peut-être intervenir ou non? Franck, qui est footballeur professionnel, hein. D'ailleurs, tu peux te rapprocher du micro s'il te plaît, qui donne sa vie au Seigneur, qui a reçu son baptême aujourd'hui, hein. Oh, ouais. Franck, gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, Franck est footballeur, il était venu à la veillée du 31 décembre. Donc, il joue en première division. Et on a, ça, c'est des anciens footballeurs. Donc, voilà, professionnels aussi. Okay. Hein, n'est-ce pas, avec Olivier qui est là. Qui est, voilà, donc que Dieu soit béni. Okay. Alors, Franck, toi qui joues en Croatie, en première division. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là? Moi, je suis choqué déjà parce que, parce que c'est des choses auxquelles moi je croyais. Donc aujourd'hui, quand je vois tout ça là, franchement, je suis vraiment choqué. Gloire à Dieu. J'ai des écailles qui tombent dans mes yeux. Gloire à Dieu. Et puis maintenant que je viens de donner ma vie à Jésus, je sens que je peux jouer au football et glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, je ne sais pas, demain, on pourra voir Olivier, tout ça. Et, si ça vous intéresse, une émission, et, pendant quelques minutes, sur des athlètes, hein, des sportifs que le Seigneur a touchés. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse demain, s'improviser comme ça. Donc, on a aussi un sportif, hein, qui est là. Okay. Voilà, mon frère, si tu peux juste venir parler, juste parce qu'on n'a pas de micro portable ce soir. On a eu un problème. Voilà. Allez-y. Voilà, merci. Assieds-toi. Voilà, donc, non, bonsoir. Assieds-toi. Bonsoir. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Valdano, on m'appelle Fali. Fali, Valdano. Et donc, tu es sportif aussi? Oui, je suis sportif. Tu fais quoi comme sport? J'ai fait du sport au niveau, je suis en équipe de France de double dutch. En équipe de France de? Double dutch. Double dutch, c'est quoi ça? C'est de la corde à sauter qu'on fait des acrobaties à l'intérieur, tout ce qui est mélangé des... Ah ouais, tu fais tout ça? Oui. Waouh, tu es en équipe de France? Oui. Waouh. Et là, tu viens de recevoir ton baptême aujourd'hui? Oui, je viens de recevoir mon baptême. Bon, demain, je vous donne rendez-vous. Est-ce que tu peux revenir demain? Demain, oui. Gloire à Dieu. Alors, demain, mes frères et sœurs, vous qui voyez comment Dieu touche les sportifs. Hein, demain, Régis, alléluia. Olivier, Franck et Valdano. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Valdano, donc demain, une émission spéciale, 20h30. On va vous montrer, vous témoigner de la manière dont Dieu touche les sportifs. Il y en a beaucoup que Dieu touche. C'est impressionnant. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, j'invite don de Dieu du côté de la Hollande qui est agent aussi qui nous suit certainement ce soir. Demain, s'il te plaît, viens pour l'émission, tout ça. J'invite Grâce de Liège également qui est aussi agent, qui a des footballeurs en première division, de venir aussi. D'ailleurs, je vais les contacter tout à l'heure. Une émission spéciale, frères et sœurs. Vous allez voir vous-même que tout, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est en train de revenir. Allez, l'arche bien. De Noé est ouverte. Tous ceux qui sont, mes amis, tous ceux qui sont de Dieu, entrent. Hein, ils sont en train de rentrer rapidement dans l'arche. Parce que le maître revient. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc vraiment, demain 20h30, invitez vos amis. Si vous avez des enfants qui sont footballeurs, eh ben, dites-leur de se connecter demain 20h30, heure de Paris. Ils vont voir des footballeurs professionnels. Hein? Le frère est à l'équipe de France. Mon frère Franck, les deux viennent de recevoir le baptême ce soir. Et en première division en Croatie. C'est une grande équipe aussi. Hein? Donc c'est la plus grande équipe de la Croatie, d'après ce que j'ai vu. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ touche non seulement des autorités, des députés, des sénateurs, des ministres, des présidents avec ce message. C'est impressionnant, des colonels, des généraux. Mais ils touchent également des sportifs de haut niveau qui viennent eux-mêmes demander le baptême. Demain, vous allez entendre vous-même leur témoignage. C'est eux-mêmes qui sont venus et ils ont dit, on veut changer. Et c'est le Seigneur qui est en train de les toucher. Alléluia. Frère, si c'est pas ça, Jésus qui fait ça. Alléluia. C'est pas Jésus qui fait ça. Amen. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, c'est impressionnant. Mais nous vivons des choses étranges. Mais équipe de France, mais vous voyez ce que se passe? C'est impressionnant, France, c'est pas possible. C'est impressionnant. Demain, un plateau spécial sur, mes amis, les sportifs que Dieu touche. Amen. Amen. Non, mais c'est glorieux. C'est tous les frères et sœurs qui sont connectés ce soir et qui sont sportifs, vous qui suivez cette émission ce soir, venez demain. Venez nous dire comment Dieu vous a rencontré dans vos métiers, dans votre sport. Venez nous raconter comment Dieu touche, comment le Seigneur agit avec vous. Et tout à l'heure, j'ai eu aussi un sportif de haut niveau qui est au Cameroun, qui joue en Turquie. Et vous savez qu'il m'a déjà dit il y a quelques jours qu'il y a beaucoup de footballeurs, parce que les footballeurs sont en train de se convertir au Cameroun et ils sont en train de créer un centre sportif pour des footballeurs chrétiens. Hein, c'est impressionnant et c'est beau. Et il me dit également que l'équipe de foot féminine nationale hein, au Cameroun, l'équipe nationale féminine de foot convertie, c'est impressionnant. Donc il est du Cameroun, donc c'est Joseph Léon Blum. Et Dieu utilise ce frère qui annonce l'évangile, mais c'est vraiment impressionnant. Alors on ne peut que dire amen au Seigneur. Voilà, donc mes amis, on arrête l'émission ce soir. On va peut-être tout à l'heure revenir sur le plateau pour une émission d'une demi-heure des témoignages de Joël, notre frère, son épouse, comment le Seigneur a restauré des choses, comment Dieu agit. Je crois que ça va encourager les couples. Hein. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Hein. Gloire à Dieu, parce que mon frère Joël est un frère que j'aime beaucoup et il vient de très loin. Donc voilà, donc une dernière parole, un mot de la fin pour ce soir. Régis? Moi, je voudrais juste dire une petite chose encore par rapport au témoignage de Sœur Khadija. C'est que ce que j'aime beaucoup dans ce ministère, dans ce que Dieu fait ici, et c'est pas pour faire la pub, c'est qu'à un moment donné, on a été tous dans des églises à gauche, à droite, et qu'à un moment donné, Dieu, il amène les preuves. Amen. Et j'ai beaucoup aimé quelque chose qui a été fait, c'était le plus beau des miracles. Amen. Ce site-là, ou cette chaîne YouTube, le plus beau des miracles, c'est qu'il faut se recentrer sur ce qui est important. Amen. Ce qui est important, c'est les miracles, c'est les délivrances, c'est les conversions,
et c'est la parole qui est prêchée. Et c'est ça que j'aime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont des détracteurs, allez sur la chaîne Les Plus Beaux des Miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons, et les gens viennent avec des preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas du blabla. Et là, on donne une Bible au Vatican, dans un état où, je le redis, les présidents ne font rien sans demander la permission au pape, et il y a une photo. Donc il y a des preuves. Donc c'est-à-dire que... C'est la totale. Et ils passent leur temps à parler. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de, il y a rien. Et en fait, on comprend que c'est la jalousie. Voilà. Et même donc Dieu a apporté une preuve pour que les gens voient. C'est voilà. Dans le lieu où la Bible est le plus modifiée, où ils ont caché, tout le monde sait. En fait, la parole a été emmenée avec une preuve. Voilà. C'est fort. On peut, on va finir avec cette image justement, Arnaud, de la BGC remise, la Bible remise au pape par le Seigneur Jésus-Christ. Et oui. David dira dans Ésaïe 55, verset 10, que je vais lire rapidement. Il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais arrosent la terre et la font produit et germer, afin de donner de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. » Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point vers moi sans effet, mais elle fait tout ce en quoi je prends plaisir et prospérera dans l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est tellement merveilleux. Le problème, c'est ce que le Seigneur a dit. Quand le Seigneur dit quelque chose, elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli. La prophétie est sortie en 2014. La prophétie est sortie. Ça s'accomplit. La prophétie s'est accomplie. Voilà. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Toutes ces preuves-là, Dieu les donne pour que les vrais enfants de Dieu ne soient pas perturbés, qu'ils voient l'œuvre du Père et qu'ils aient la crainte. Moi, le premier, vous tous. Et les détracteurs, ben, ils sont de plus en plus à l'incrédulité parce que la jalousie est telle qu'ils se disent ben, « on va se lever pour combattre contre Dieu ». Et le fait de se lever comme ça, ils s'attirent de problèmes, ils s'attirent la colère de Dieu sur eux, sur leurs enfants. Parce que qui peut se lever pour combattre Dieu? Gamaliel a eu la sagesse de dire, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre vient du Seigneur, elle ne pourra pas se détruire. Si elle vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Faites attention pour ne pas combattre contre Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que là, je n'étais pas au travail de la sœur. Dieu est allé la toucher. Dieu a touché son patron. Nous, on n'était même pas au courant. Moi, on m'a envoyé la photo. J'y croyais pas. Sincèrement, j'étais comme Thomas, que Dieu me pardonne, oui. Et vous savez, on n'est pas infaillible. Hein. Non, mais franchement, voilà. Respect à Dieu. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est impressionnant. Je ne sais pas quoi dire encore. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que le Seigneur fait. Non, mais c'est vrai. Gloire à Dieu. Je souhaitais vraiment, excuse-moi ma soeur, encourager l'équipe TV de vie. Parce que c'est vrai, on vient toujours pour les prier. On vient, frère, j'ai ça qui ne va pas. Mais vraiment, encourager l'équipe. Que le Seigneur continue de vous emmener de gloire en gloire, vraiment. Et qu'il vous garde surtout de tout ce qui est... parce que l'ennemi est très subtil. Il vous garde de la séduction, de tout ce qui peut vous faire tomber. Vraiment, qu'il vous garde. Parce que ce que je vois, c'est que plus vous êtes critiqué, plus le Seigneur fait encore plus. Amen. Plus il parle, il y a encore un truc qui va sortir. Plus il sort des montages, des vidéos, plus il y a encore un truc qu'il fait avec vous. Quoi. Donc vraiment, que le Seigneur vous garde, quoi, vraiment qu'il soit. C'est encourageant. Gloire à Dieu. Et si on veut marcher avec le Seigneur, on sera des ennemis. Parce qu'on ne peut pas avoir des amis et marcher avec le Seigneur en même temps. C'est ce que je suis en train de voir, en fait. Plus on veut marcher comme il demande de marcher, eh bien, puis on sera seul. C'est ça. Eh bien, c'est un choix. Donc, autant mieux être avec Dieu qu'être avec les hommes parce que... voilà. Gloire à Dieu. Le Seigneur soit béni. Pour glorifier le Seigneur, bien sûr, ma sœur Gina, tu peux venir chanter. Ben, je te laisse à cette place-là, tu viens chanter. C'est bon. Tu vois? Comme il n'y a pas de micro portable ce soir, donc on a eu un petit souci technique. Tout le monde connaît. OK. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et
disant merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci beaucoup, papa. Merci Dieu.